Enfin, quand j'ai décidé de revenir en Europe, j'avais le choix en fait entre venir en Grèce et retourner en France. Comme je suis musicienne, en fait, j'avais l'impression que artistiquement, en fait, pour moi, ça marcherait mieux, pas en termes, disons, financiers, mais en termes vraiment artistiques, ça marcherait mieux en Grèce. Bon, par exemple, j'habitais en Inde, et en Inde, en fait, comme en ce moment, ils sont en pleine expansion économique, etc., il y a beaucoup d'argent pour tout, en fait, et surtout pour l'événementiel, tout ça. Et en fait, la qualité artistique a beaucoup baissé. Parce que tout le monde cherche en fait l'argent facile, les choses qui sont un peu, un peu showbiz, etc. Et en fait, le showbiz, il a complètement disparu de la scène grecque, puisqu'il n'y a plus d'argent pour ça. Donc en fait, les gens reviennent à l'essentiel, par rapport à, en tous les cas, dans le domaine artistique. Vraiment, en Grèce, on a du théâtre d'une qualité, mais c'est incroyable le nombre de représentations qu'il y a chaque semaine à Athènes. Alors, je pense qu'ils gagnent même pas leur vie avec. Comment vivent les artistes, justement, dans ce contexte extrêmement dur? Disons que... il y a des réseaux de soutien, mais de toutes les façons, comme il n'y a plus d'argent pour l'art, c'est pas vraiment évident en fait de gagner sa vie, quoi. Alors, on n'a pas encore réussi à s'organiser pour ça, mais je pense qu'il aurait fallu qu'on fasse une plateforme en fait d'artistes grecs. Qui réussissent à tourner à l'étranger. Et ça, je pense qu'on n'a pas encore réussi à faire ça, et que c'est vraiment une chose à venir, parce que je pense que l'art en Grèce a des choses à dire aussi au reste de l'Europe. Ces 3 ans d'expérience que tu as sur Athènes, dans un contexte de crise à tous les niveaux, comment ça t'a changé? Qu'est-ce qui a changé en toi? Ça m'a remise dans mon centre. Bon, parce que en fait, notre génération, c'est pas juste le fait de pas avoir d'argent. C'est le fait que tout d'un coup, nos parents qui ont travaillé toute une vie se retrouvent aussi endettés. Et ça, c'est très dur quand même pour une génération jeune. C'est-à-dire de savoir que nous, on peut pas aider. Et on ne peut pas aider la génération à qui on doit tout et qui nous a fait grandir. Et ça, je pense, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, quoi. Donc il faut apprendre à gérer ça. Après, la génération de nos parents ont vécu la dictature. Nos grands-parents ont vécu la guerre civile. Donc je pense que ils ont peut-être d'autres résistances internes que nous on n'avait pas, parce qu'on a grandi presque normalement, quoi. Donc, mais bon, il y a des moments où c'est pas facile, parce que même la vie privée en prend un coup, parce que
c'est pas très facile de pouvoir se dire qu'on va avoir une vie normale, une vie de couple normale, faire une famille. Tout ça, c'est un peu... On partage quand même des expériences pas faciles. Il y a quand même des gens qui sont au bord du suicide, on le sait, et on va appeler. Il y a toujours des amis qu'on appelle parce qu'on a peur. On ne sait pas comment ils vont, etc. Donc, mais et de manière générale, en voyant en fait tous les gens qui paniquent ou tous les gens qui ont des difficultés, les difficultés au quotidien, voir les factures qui arrivent et savoir qu'on ne peut pas payer, que tes parents ne peuvent pas payer, que, enfin, que ça va aller en empirant, etc. Ben, y a un moment en fait où je me suis dit que... Enfin, j'ai fait une analyse de la situation et je me suis dit qu'en fait je vivais dans un pays en guerre. Et donc j'ai essayé de me dire, ben, Clio, c'est comme s'il y avait des bombes qui tombaient. Alors tu vois pas les éclats d'obus, mais en fait t'es en guerre, tu vis dans un pays en guerre. C'est une guerre économique, donc c'est pas autre chose. Donc en fait je me suis mise dans mon cœur, je me suis mise en contact avec tous ces gens en Syrie, en Afghanistan, en Palestine, où il y a vraiment des bombes qui tombent. Et en fait c'est comme ça que j'ai survécu. Parce que je me suis dit, ces gens-là, ils continuent de vivre, ils font des enfants, ils font tout. Donc, qu'est-ce que... Tout à l'heure, tu parlais de l'hiver, de l'année prochaine. Excuse-moi, en fait, je pense que c'est la raison pour laquelle aussi les Grecs sont le peuple qui a répondu le plus massivement à la détresse des Syriens. Je veux dire, c'est complètement délirant ce qui se passe. Si vous avez eu le temps d'aller à la place Victoria ici, mais je veux dire, il y a un réseau de gens qui sont continuellement là-bas, qui leur emmènent à manger, des grands-mères qui leur emmènent à manger, tout le monde essaye. Et je crois que c'est l'une des raisons aussi, parce qu'ils se sentent en connexion en fait avec ces gens. Toi, comment tu vois là cet hiver, l'année prochaine? Voilà, l'hiver s'annonce catastrophique parce qu'on rentre dans un troisième mémorandum qui est apparemment le plus dur de tous. Donc je sais pas, enfin je veux dire, déjà c'était insoutenable. Donc en fait on sait pas ce qui va se passer. Et si vous venez au mois de décembre, Athènes, il fait froid. Les gens, plus de la moitié des immeubles ont pas de quoi, ne se chauffent pas. Et il y a un fog incroyable au-dessus d'Athènes, parce que les gens se chauffent au feu de bois et ils brûlent tout ce qu'ils trouvent. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui vont voir ce documentaire? Est-ce que tu aurais une question, quelque chose à dire? Je voudrais leur dire qu'en fait, on est à un moment crucial de l'histoire humaine, parce que je crois que la Grèce c'est juste une sorte de cristal en fait, de cristallisation de tout ce qui se passe au niveau mondial, et que l'humanité est à un niveau et un endroit en fait, un moment charnière où il faut qu'on décide si on va être humain ou si on va laisser nos vies, si on va devenir les esclaves des multinationales et des quelques grandes fortunes qui s'apprêtent à diriger de manière totalitaire toute la planète.